Bonjour, je suis Camille Deki, en charge du suivi des stagiaires et alternants au sein du groupe SAMSIC, et aujourd'hui nous nous retrouvons avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Camille. Alexandre, peux-tu te présenter, nous parler de ton parcours ? Alors, avant d'arriver chez SAMSIC, j'ai fait un DUT réseau et télécom à l'UT de Caen, suivi d'une licence professionnelle audit et sécurité réseau, pour ensuite arriver en école d'ingénieur à Rennes, au sein de l'ESNA. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes missions au quotidien ? Mes missions au quotidien, c'est surtout de la veille technologique, connaître les nouvelles failles. Et voilà, c'est surtout ça les enjeux aujourd'hui. Et donc, tu es suivi par un tuteur. Comment est-ce que ça se passe, ta relation avec ton tuteur ? Alors, j'ai un tuteur entreprise et j'ai un tuteur universitaire au sein de l'ESNA qui me suit tout au long de l'année pour la rédaction de mon rapport et suivi de mon projet. Et au niveau de tes missions, de ton équipe, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton alternance ? Je dirais la communication autour de la veille, parce qu'on a des personnes dans le pôle SSI qui viennent de différents environnements, qui ont des différents parcours et qui n'ont pas forcément la même sensibilité à la sécurité de l'infrastructure. Donc pour moi, chacun apporte sa pierre à l'édifice et puis on avance comme ça. Et ça se passe bien comme ça ? Ça se passe bien, oui. Et du coup, pour la suite, quels sont tes projets ? Alors, donc, par la suite, là déjà, je finis donc la deuxième moitié de mon contrat, mon premier contrat chez SAMSIC, pour ensuite enchaîner sur un deuxième contrat, toujours en alternance, pour ensuite déboucher sur un CDI derrière. Ok. Et aurais-tu un conseil à donner aux futurs étudiants qui souhaitent intégrer le groupe SAMSIC ? Oser. Voilà. Ok, très bien. Je te remercie Alexandre et puis nous retrouvons pour une prochaine interview avec de nouveaux étudiants.